Bonsoir les amis, voilà, donc je reviens ce soir, voilà, pour vous chanter deux chansons donc, qui sont dédiées à une femme. Voilà. Pour ne rien vous cacher, donc hier je ne suis pas venu parce que jusqu'à 21h, donc le couvre-feu est à 19h, bon, j'étais avec Marie-Dominique. Marie-Dominique, une femme charmante italienne. Voilà. Bon, là je suis très déçu ce soir parce que. Les discussions étaient tellement merveilleuses. Et merci Marie-Dominique. On était le jour précédent à la Balastière, à Grandange. Voilà. On a fait une petite marche, on a beaucoup parlé, beaucoup parlé, beaucoup parlé. Et Marie-Dominique, tu m'as beaucoup touché. Donc, mais bon, j'ai l'impression, et moi j'aurais attendu, hein, Marie-Dominique. Hein. Mais bon, voilà. Tu n'as pas fait encore le deuil de ton mari. Et puis. C'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur un certain type de femme italienne, au bout du compte. Hein. Et quand tu m'as parlé de ton éducation un peu donc sévère, hein, donc voilà, hein, respect, ouh, ça m'a touché. Hein, parce que bon, moi je suis issu du. Voilà, mes parents sont là. Hein. Finalement, au bout du compte, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec mes parents. T'as un papa qui, voilà, il était très, très, très proche de toi, hein, donc il te laissait rien faire hein, avec les garçons et tout ça. Respect. Hein. Voilà. C'était très beau ce que tu m'as dit, puis on a tellement parlé, on était tellement heureux, et puis du coup, voilà, donc après la Balastière, donc j'ai fait des efforts, hein, donc tu m'avais demandé de faire des efforts, pas de cigarettes, t'arrêtes l'alcool, hein, d'accord? Ouais, j'ai pas tenu longtemps, voilà. Donc, pour ça, tu viens me dire. En tout cas, si jamais tu veux me téléphoner, puisque je te laisse aussi un message, parce que tu connais mon lien Dominique Hutin sur YouTube, si tu veux me parler, parce que tu m'as tellement parlé, je t'ai écouté quand même, donc, et puis tu m'as ému hein, avec tout ce que tu m'as dit. C'était ultra intéressant, ces discussions. Bon, je t'ai lancé un défi le deuxième jour, hein. Non, dans un GR5 un peu sportif, voilà, comme je suis sportif, donc voilà, tu es tombé, hein. J'étais peut-être un peu trop présomptueux, donc tu es tombé, tu t'es fait mal, et tu m'as bien dit, Dominique, je dois faire une cure bientôt, Aix, les Aix, je crois, je sais plus, Aix-les-Bains, voilà, les Vosges, et voilà, tu me semblais avoir un peu tourné ton genou au niveau du fessier. Ben, tu dois avoir des bleus aujourd'hui. Voilà. Écoute, bon, je suis peut-être allé trop loin. Hein, donc, c'est moi, je suis très sport. Et puis, à un moment donné, donc, voilà, le terrain était glissant. Ça montait beaucoup. Tu m'as traité de menteur parce que je t'ai caché la difficulté. Mais tu as relevé le défi. Tu as relevé le défi. Et bravo, 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 bravo d'avoir relevé le défi, franchement. Moi, je suis sincèrement désolé de ta chute. Voilà. J'essaie de te donner la main parfois, puis te mener, puis te dire, voilà, prends cette pierre-là, prends cette pierre-là, prends cette pierre-là. T'es allé jusqu'au bout, t'es allé jusqu'au bout de la tour de Drance. Moi, j'ai un peu baissé le rythme, mais je referai ça. La tour de Drance à un rythme beaucoup plus rapide, parce que, bon, pour moi, qui ai fait les GR20 en Corse dans des secteurs non validés, c'est le doigt dans le nez que je fais ça encore, même sans faire comme toi, qui est très sportif. Tu m'as dit, je t'ai lancé le défi parce que tu m'avais dit que tu étais très sportif, et c'est vrai. Tu fais donc 1 heure et à 1h30 de marche par jour. À Mézières, on devait se voir dimanche pour que je suive ton rythme et que je vois comment toi tu marches de manière habituelle. Bon, ben, ça ne se fera plus puisque tu as décidé tout d'un coup, parce que le premier jour, j'ai pas fumé une cigarette ou une seule. Puis bon, le deuxième jour, bon, j'en ai fait plusieurs, mais je crapote, hein, donc voilà. Voilà, et puis bon, le soir, bon, j'avais peut-être un peu bu, être un peu éméché, donc j'ai pas suivi ton conseil d'arrêter totalement l'alcool. Voilà, et tu m'as dit, ben, au final, puisque tu es si ravissante, franchement, c'est une Italienne, je vais vous le dire, hein, les amis, hein, qui a fait des opérations au niveau des yeux, qui. Une magnifique brune à la Monica Bellucci. Voilà, tout simplement, c'est mon rêve de femme. Donc, voilà, j'étais émerveillé. Mais bon, voilà, donc
en plus tout devait bien marcher entre nous, puisqu'elle me trouvait bel homme, charmant. Bon, j'étais simplement correct, j'ai pas été le gentleman qu'il fallait, parce que bon, voilà. Parce que bon, j'étais quand même éméché, donc le deuxième soir, elle m'avait excusé une première fois, où elle m'avait déjà dit que dans ce cas, elle cherchait donc un homme retraité, hein, comme elle. Mais quelle beauté pour 63 ans, c'est phénoménal. Oui, Monica Bellucci est en 64, donc elle a 57 ans. Donc regardez les photos, donc ouais. Eh bien voilà, Monsieur Dominique Hutin, bon ben elle m'a fait tellement de compliments, donc je lui ai montré surtout les chansons, elle a beaucoup apprécié les chansons du début, soft, sobre. Elle n'a pas du tout aimé Rammstein, par contre, j'ai deux facettes quand même, Marie-Dominique. Donc voilà, donc je me suis un peu transformé, je sais que beaucoup de femmes ne m'aiment plus parce que je suis devenu dans une seconde forme un peu trop spectaculaire, Rammstein, dans du violent. Mais je chante aussi encore du Pierre Bachelet, des chansons tendres, lesquelles tu as aimées alors que tu as détesté Rammstein. Bon, Marie-Dominique, si tu entends ceci, téléphone-moi ce soir. Poisson, ascendant poisson. Voilà. Peut-être que tu m'excuseras pas, mais bon, ne serait-ce que de... Si tu... Bon, je te l'ai dit, hein. Bon, je te souhaite le meilleur, de trouver l'homme retraité que tu souhaites, hein, donc voilà, je te souhaite bonne route. Mais si tu as besoin de parler, parce que j'ai senti en toi un flot de paroles, avoir besoin de parler, de te confier, et puis on était là en toute confiance, je t'écoutais, et puis voilà, donc parce que moi, ça fait longtemps hein, que j'ai perdu Fatia, donc la maman de mes enfants, donc moi j'ai fait le deuil, mais toi visiblement, tu n'as pas encore fait le deuil, donc je vais te dire honnêtement, donc hein, l'homme retraité que tu recherches, bon, il t'écoutera peut-être comme moi, hein, mais bon, en fait, moi, j'aurais peut-être attendu que tu fasses le deuil, parce que tu m'as dit, bon, t'avais bien compris que dans mes propos, dans mes aventures, avec dans mes tics, que j'étais plutôt Marie couche-toi là rapidement, donc voilà, pour parler, voilà, et puis mes paroles, tu les aimais pas trop parfois quand je disais des choses. Mais moi je suis direct aussi, hein, donc, pour toi j'aurais entendu, voilà. Mais bon, j'ai pas réussi à faire les efforts indispensables que tu demandais peut-être, donc voilà. Je retombe parfois dans les vieux travers, mais comme je t'ai raconté, j'ai quand même mon passé qui n'est pas facile. Donc Marie, j'ai chanté deux chansons. La deuxième, t'es plus dessinée que la première, parce que la première est une chanson de William Scheller, elle t'est dessinée aussi, elle est dessinée à tous et à toutes, comme dans un bon vieux rock'n'roll, William Scheller, d'accord. Et la seconde, c'est l'amour à l'italienne de... Comment s'appelait-il, Frédéric François. Donc voilà, j'essaie de me rattraper comme je peux. Hier, je t'ai chanté, Marie-Dominique, parce que tu as tous les CD de Pierre Perret. Je t'ai chanté La cage aux oiseaux. Hein. J'avais chanté précédemment Le Zizi. Et puis la deuxième chanson était pour toi aussi, parce que tu m'en avais parlé. D'accord. Bon, ben, ce soir, c'est pareil. Mais bon, je suis un peu déçu ce soir. Mais bon, je te souhaite bonne route. Si jamais tu ne veux plus revenir vers moi, je comprendrai très bien et je te souhaite bonne chance. Je ne m'impose plus. Je ne m'imposerai plus jamais. Les choses qui te déplaisent chez moi, tu penses que cela ne va pas changer? Peut-être, peut-être pas. L'amour est une aventure, en fait. Peut-être que j'aurais changé avec le temps. D'accord. Tu m'as bien fait comprendre que tu avais besoin de temps et qu'il fallait attendre un petit peu. Voilà. Allez, les amis, on y va. Je vais donner le meilleur de moi-même sur deux chansons. Je vais éteindre le son de la télé. Voilà, et c'est pour vous tous et toutes. Je vous aime. Je vous aime. Marie-Dominique, je t'apprécie beaucoup. Maintenant que tu ne veux plus, j'espère que tu veux savoir toujours quelque chose de moi, dans le fond de ton cœur. Ok.
que je t'ai convaincu un peu, que je t'ai charmé quand même, je pense. Mais bon, belle femme italienne, Monica Bellucci, number two. Et parmi toutes les femmes de métiques rencontrées, tu étais la plus intéressante pour moi, de toutes. D'accord, sache, tu étais la number one. Fou, quel charme, en vous belle femme italienne. Bon, je passerai. Non, je ne faut pas que je dise des choses comme ça. Parce que je suis déçu. Pour ça. Bon, allez, dans un bon vieux. Dans un vieux rock'n'roll. Allez, on y va. Ça tient souvent à presque rien. Un simple geste de sa main a changé jusqu'au bout mes moindres habitudes. Et c'est bien, je te dis ça, c'est entre nous. Mais les amours de passe-partout m'ont laissé l'impression d'une drôle de solitude après coup. Et si je craque, c'est pas des histoires. Prison si tu en veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll, oui. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne, comme dans un bon vieux rock'n'roll, oui. C'est la main d'un fou que rien ne résonne. Passant la bride sur mon cou, une fille au charme aigre tout emplit ma vie d'un mieux que je ne saurais dire, et c'est beaucoup. Je sais d'elle encore peu de choses, mais justement ce que j'en suppose est le début d'un jeu qui fait qu'elle m'attire et s'impose. Et si je craque, c'est pas les histoires. Risant si tu veux, il faudra bien y croire. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui les fredonne, comme dans un très vieux rock'n'roll. C'est la main d'un fou que rien ne résonne. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne, comme dans un très vieux rock'n'roll. C'est la main d'un fou que rien ne résonne. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Oui, c'est comme dans un très vieux rock'n'roll. C'est la main d'un fou que rien ne résonne. Comme dans un vieux rock'n'roll. J'ai dans la tête un transistor qui fredonne. Oui, c'est comme dans un vieux très vieux rock'n'roll.
Serre la main à fou que rien ne résonne. Voilà, c'est fini pour cette première. Voilà. Maintenant, c'est la seconde. L'amour. Frédéric François, je t'aime à l'italienne, voilà. Je t'aime à l'italienne, si tu fais ça. Voilà. François, je t'aime à l'italienne. Et... appuyez sur la petite triangle là-bas.